un exercice sur les écritures d'équations thermochimiques, donc avec les variations d'enthalpie molaire dans l'équation. Et donc voilà, on va l'exercice sur la combustion du butane. Alors le butane, c'est du C4H10. But, c'est le préfixe pour 4 carbones. Et il faut 10 hydrogènes puisqu'il y a 2N plus 2 hydrogènes dans les alcanes, c'est des hydrocarbures saturés. Donc 4 fois 2, 8 plus 2, 10. Pour brûler, faire des combustions, il faut du dioxygène. Et ce qu'on obtient quand on fait une combustion, c'est les atomes du combustible oxydé. Donc s'il y a du carbone, on obtient du carbone oxydé. Donc le carbone, une valence 4, l'oxygène, une valence 2. Donc il faut 2 oxygènes pour satisfaire le carbone. Et l'autre atome du combustible est de l'hydrogène, donc on obtient de l'hydrogène oxydé, l'hydrogène valence 1, l'oxygène valence 2, donc on obtient de l'eau. Et on va pondérer ça, donc le butane a 4 carbones, donc on obtiendra par molécule de butane 4 CO2. Il a 10 hydrogènes, donc on obtiendra par molécule de butane 5 molécules d'eau. Et donc on a 8 oxygènes dans le CO2 plus 5 oxygènes dans l'eau, ça nous fait 13 atomes d'oxygène et on va donc prendre 13 demi-molécules de dioxygène. On pourrait multiplier tous les coefficients par 2 pour ne pas avoir de coefficients fractionnaires, mais alors ça compliquerait les choses, puisqu'en fait on doit écrire l'équation thermochimique, donc on doit rajouter des kilojoules par mole. C'est toujours plus facile d'avoir des kilojoules pour une mole de combustible, donc restez bien avec un coefficient 1 devant le combustible que d'avoir un coefficient 2. Après, pour les calculs de pouvoir thermique, c'est plus complexe. Alors, pour calculer la variation d'enthalpie molaire de la combustion d'après les tables, on avait le choix entre une table des enthalpies de liaison. Et donc, dans ce cas-là, il aurait fallu détailler toutes les liaisons qu'il y avait dans le butane. Ça aurait été assez long, toutes les liaisons qu'il y a dans le dioxygène, dans le CO2 et tout ça. Donc, je crois que le plus facile était d'utiliser plutôt les tables fournies aussi de variation d'enthalpie standard de formation. Donc, ça, c'est à partir du niveau 0, qui sont les corps purs simples, l'énergie nécessaire pour former les réactifs et l'énergie nécessaire pour former les produits. Alors l'enthalpie standard de formation des réactifs, les réactifs c'est le butane, alors on va chercher le butane, on voit que le N-butane, donc il y a la forme linéaire du butane, sous forme gazeuse, oui parce que jusqu'à 5 carbones, enfin jusqu'à 4 carbones compris, ce sont des gaz, est de moins 125 kilojoules par mole. Alors à ça, il faut ajouter l'enthalpie de formation du dioxygène, mais comme c'est un corps pur simple, comme c'est la forme élémentaire de l'oxygène, ça vaut 0. Et donc l'enthalpie standard des réactifs ici, c'est seulement celle du combustible. Alors après, on calcule l'enthalpie standard de formation de tous les produits. Alors les produits, c'est du CO2. Alors le CO2, on le trouve dans les composés minéraux, le CO2, et il est gazeux quand on fait une combustion. Donc on a 4 molécules d'eau formées. De CO2, pardon, et l'enthalpie standard du CO2, c'est moins 4,393, on le prend sous forme de gaz et pas sous forme dissoute aqueuse. Ici, on est dans une combustion, on produit des gaz, donc le butane est bien un gaz, l'oxygène est bien un gaz, et on produit des gaz de combustion et de l'eau sous forme de vapeur. On ajoute à ça 5 fois la formation de l'eau, justement l'eau dans l'hydrogène, sous forme de gaz, c'est moins 242. Si on vous parle de chaudière à condensation, où on considère qu'on récupère l'énergie de condensation de l'eau, il faut passer à l'eau liquide. Pardon, l'eau liquide, pas l'eau oxygénée liquide. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est une combustion simple qui donne toujours des résidus de combustion, comme c'est très chauffé sous forme de gaz. Alors, quand on additionne tout ça, on obtient moins 2782 kJ par mole. Et donc, on peut déjà commencer à représenter le diagramme d'enthalpie, ce qui est demandé. Donc, dans le diagramme d'enthalpie, on met l'enthalpie, pas oublier de légender l'axe. On place le niveau 0. Le niveau 0, c'est les corps purs simples. Donc, si dans notre équation, il y a du carbone, ben la forme élémentaire, la forme au niveau 0 pour le carbone, c'est le carbone solide, monoatomique. Et donc, il y en a 4 dans le butane. Pour l'hydrogène, sa forme élémentaire au niveau 0, c'est du H2 gazeux. Et il y en a 5 d'hydrogène pour faire 10 hydrogènes. Et après, on a ces 13 demi-oxygènes qui sont au niveau 0. Et l'oxygène est à la suite dans le tableau. Je n'ai pas tout photographié. Donc ça, c'est nos corps purs simples qui sont au niveau 0. Alors, ce qu'on a calculé, c'est qu'il fallait moins 125 kilojoules par mole, donc là, l'enthalpie de formation standard des réactifs pour obtenir nos réactifs qui sont de C4H10 plus 13 demi O2.
est de moins 125. Donc ici, on a moins 125 et on est en fait à l'enthalpie des réactifs. On a vraiment le chiffre puisqu'on part de 0. Alors, on a aussi l'enthalpie des produits puisqu'on est parti de 0 pour former tous les produits. Et eux sont à moins 2782. Donc, nos produits, à partir du niveau 0, on descend de l'enthalpie de formation standard des produits. Si on veut être précis, on précise les états puisque ça change les niveaux d'énergie si on change d'état. Voilà, alors ce qu'on cherche, c'est la variation d'enthalpie molaire. Donc celle-là, c'est ce qui se passe au cours de la réaction entre les réactifs et les produits, ce qu'on va indiquer dans l'équation thermochimique. Alors pour trouver ça, il y a une formule. On prend l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Alors on peut aussi écrire qu'on prend la variation d'enthalpie des réactifs, des produits pardon, à partir de 0, la variation d'enthalpie standard des réactifs à partir de 0, mais c'est la même chose dans ce cas-ci. Alors on prend les produits moins 2782 et on soustrait à ça les moins 125, donc on obtient moins 2657 kJ par mol. Et ça on peut l'écrire avec un plus, 2657 kJ par mol, puisque ce qui est perdu par les réactifs descendent en énergie chimique, est gagné. Donc la chaleur reçue par le milieu, la chaleur molaire reçue par le milieu, elle est positive, 2657 kJ par mol de combustible. Et donc on met bien un plus dans l'équation thermochimique, c'est de l'énergie qui est libérée, qui est obtenue avec les produits et pas on ne la retire pas au produit. Alors, il y avait aussi un problème stoichiométrique à faire avec cela. Donc, je réécris l'équation pour pouvoir faire le problème stoichiométrique. C'est 4H10 plus 13,5 O2. Ça donnait 4CO2 plus 5H2O plus 2657 kJ par mol. Alors, ce qu'on nous demande, c'est qu'on dispose de 16,64 g de dioxygène. Donc, ça, c'est une masse. On dispose de 2 litres de butane, ça c'est un volume de gaz. Et on demande quelle quantité de chaleur on obtient et de remplir le tableau d'avancement du problème stoichiométrique. Alors un problème stoichiométrique a un tableau d'avancement en nombre de moles. Donc on transforme la masse en moles et le volume de gaz en moles. La masse molaire de l'oxygène c'est 32 grammes par mole. Qu'elle réagisse par 13,5, par 3, par 2, par 1, sa masse molaire ne change pas. Et donc, on prend la masse divisée par la masse molaire pour obtenir le nombre de moles d'oxygène qu'on a dans la pièce, quelle que soit la façon dont elle réagit. Et donc, ici, on obtient 7,64 divisé par 32. On obtient 0,52 moles. Le volume molaire des gaz est de 22,4 litres par mole. C'est écrit à l'arrière du tableau périodique. Faire attention aux unités. On prend le volume de gaz, on le divise par le volume molaire. Et on a 2 divisé par 22,4. On obtient 0,089, mais on peut prendre 9 moles. Et ça, on écrit dans le tableau d'avancement. Donc, dans notre tableau d'avancement, on place qu'on a une certaine quantité au départ de butane, une certaine quantité de départ au dioxygène. On n'a pas de CO2, on n'a pas d'eau, on n'a pas encore d'énergie. Les réactifs vont disparaître avec un certain coefficient qui n'est pas le même. Quand un butane va disparaître, 13,5 dioxygène. On peut écrire 6,5, c'est plus facile. Donc, dioxygène vont disparaître, 4 CO2 vont apparaître, donc là il faut un plus, 5 O vont apparaître, et 2657 kJ vont apparaître chaque fois qu'une mole sera brûlée. Alors ici on ne sait pas brûler une mole, puisqu'on a 0,09 mole et 0,52 mole, donc on n'aura pas de quoi brûler une mole. Alors est-ce qu'on peut brûler les 0,9 moles. On peut essayer 0,09. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai assez de dioxygène pour brûler ça? Donc, pour ça, je fais 0,52 moins 6,5 fois 0,09 et je remarque que j'arrive à moins 0,065. Donc, ça signifie que je n'ai pas assez. Donc, il en manque si je dois aller dans le négatif. Il manque du O2. Et donc, ceci est en défaut. Et donc, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à 0,009. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de calculer
combien, le degré d'avancement permis par le dioxygène qu'on a. Donc le degré d'avancement, c'est ce que je mets dans mon petit bateau. Donc pour calculer le degré d'avancement permis par le dioxygène, je prends la quantité de dioxygène disponible. Donc si je vais jusque 0, donc je ne veux pas aller jusqu'à moins 0,65, je vais aller jusque 0. Donc de 0,52 jusqu'à 0, je vais pouvoir faire disparaître 0,52 et ils doivent disparaître à chaque fois avec un coefficient de 6,5. Donc je vais diviser ça par le coefficient. Et là, j'obtiens un degré d'avancement possible de 0,08. Donc le dioxygène, il arrive à aller jusqu'à 0,08, mais pas plus loin. Et donc le butane pourra l'accompagner, mais pas aller jusqu'au bout. Donc il restera 0,01 de butane. Donc celui-ci est en excès, il ne s'est pas brûlé complètement, puisqu'il lui manque du dioxygène. Et donc ce 0,08 est le degré d'avancement permis par le dioxygène. Et le butane, c'est le suivre, donc c'est celui qui est valable pour tout le monde. Donc le degré d'avancement doit être possible pour les deux réactifs. Et donc on remplit complètement, 0,4 fois 0,08, ça fait 0,32, 0,4, et ici on a 212,56 kJ. Alors c'est plus des kilojoules par mole, c'est des kilojoules pour 0,08 mole, c'est notre chaleur libérée par la réaction. C'est plus une chaleur molaire, c'est une chaleur libérée par les 2 litres et les 16,64 grammes. Voilà, donc ça c'est ce qu'on demandait. Quelle chaleur obtiendra-t-on? Donc la chaleur, c'est le symbole Q. Et donc on a... Ah, il nous reste à calculer le pouvoir thermique du butane. Alors pour calculer un pouvoir thermique du butane, on prend en fait... donc ça, le pouvoir thermique, c'est des mégajoules par kilo. Donc ça, c'est les unités officielles. On peut considérer que c'est des kilojoules par gramme, puisqu'il y a un rapport de 1000 au-dessus et en dessous, ça ne change pas le chiffre. Et donc, on va utiliser notre delta H molaire, qui est des kilojoules par mole. Donc ça, c'est le chiffre qu'on a de 2657. Et on va utiliser la masse molaire, qui sont des grammes par mole, pour pouvoir transformer ces kilojoules par mole en kilojoules par gramme. Et on va diviser pour pouvoir simplifier les moles en dessous. Alors, il faut aussi changer le signe, puisque le pouvoir thermique est de la chaleur libérée. Donc, chaleur libérée, quelque chose de positif, et l'enthalpie molaire est de l'énergie chimique perdue par les réactifs, par les molécules, et donc le signe doit s'inverser. Et donc je vais prendre mon moins 2657 que j'avais trouvé à la première étape, je change le signe, et je calcule la masse molaire du butane. On n'en a pas encore eu besoin quelque part. Donc la masse molaire du butane, 4 fois 12 plus 10, ça fait 48, 50... 58 grammes par mole. Donc ça, c'est une donnée nécessaire. Et donc, c'est celle que j'utilise ici. C'est la masse molaire du butane. Et j'obtiens le chiffre de 45,7 qui est maintenant positif. Et donc, c'est des kilojoules par gramme. Et les vraies unités du pouvoir thermique, c'est 45,7 mégajoules par kilo. Donc, c'est comme ça qu'il est... recensé, comparé aux autres combustibles. Le pouvoir thermique, c'est le nombre de mégajoules obtenus par kilo de combustible. Ça, c'est le pouvoir thermique.